vous disposez déjà d'un ou plusieurs contrats d'assurance vie majoritairement investis sur des fonds en euros et vous avez fait une excellente opération. Votre épargne a progressé de façon régulière sans que vous ayez eu à vous en soucier. Mais dernièrement, la rentabilité de votre fonds en euros diminue et cela devrait se poursuivre dans les années à venir. Alors désormais, comment faire pour essayer d'améliorer la performance de vos placements? La clé de la réussite, la diversification. Diversifier, c'est viser plus de performance sans mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais investir sur les marchés financiers soulève toujours les mêmes interrogations. Est-ce le bon moment pour investir? Quel support choisir? Quelle est la stratégie d'investissement gagnante? Une solution existe, la dynamisation progressive de votre épargne. Tous les mois, investissez une partie de votre épargne sur d'autres supports financiers. Vous achèterez le même produit dont le prix va évoluer à la hausse ou à la baisse. Si les marchés baissent, la valeur des parts que vous détenez diminue, mais vous achetez moins cher et accumulez un nombre plus important de parts. Si les marchés montent, le prix des parts est plus cher, mais les parts que vous possédez déjà prendront de la valeur. Ainsi, votre capital va évoluer dans le temps au gré des fluctuations des marchés financiers. Mais attention, cette méthodologie d'investissement, pour être efficace, repose sur une sélection de supports d'investissement qualitatifs et adaptés à votre profil. Pour cela, rapprochez-vous de votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui sera le seul en mesure de vous apporter un conseil précis et adapté à votre profil d'investissement afin d'atteindre sereinement vos objectifs.